Non, j'ai dit trop tôt encore. Bonjour la VOD, nous sommes sur Iconi Island, Islande. Évidemment. Et en... un jeu à l'Animal Crossing, un cozy game comme on dit, que je vais découvrir avec vous maintenant. Et qui a l'air très sympa, très mimi, avec une vibe évidemment comme... d'autres jeux. Je suis encore malade, désolée. Comment ça s'appelle? Salut à Kiwi. Stardew Valley. Malheureusement, il n'est pas doublé apparemment. Enfin, pas doublé, évidemment. Mais pas traduit. Et je n'ai pas regardé s'il y avait des patchs. Ah, des pirates qui ont fait rire et yoho. Catching in cage. Ils ont mis des trucs en cage. Comme des animaux, des orphelins. C'était pas trop sympa. Je me suis dit, allez, on va y aller, ça va être marrant. I hope it off. Je sais pas ce que c'est, hope it off. Les pirates ont vu les orphelins, ils ont vu les pirates, mais c'est écrit par un enfant ou quoi? What the fuck? Hey, le bateau sous le pont, on devrait le prendre. Kids go. Oh, c'est trop. Je lis pas assez vite là. Déjà qu'il faut que je traduise dans ma tête. I want them to open my present. De quoi? Ouvrir un cadeau? Mais le cadeau de qui? Et à qui tu veux offrir un cadeau? Bon, désolé. La cinématique est sympa, mais on va regarder le vrai jeu. Alors, j'aime pas regarder, mais je crois qu'on peut jouer en multi, attendez. Non, pas du tout. Mais ce serait bien. Ah, j'ai rebindé les touches, mais ça a pas marché. Vous savez quoi? Je pense qu'on va se taper un petit jeu à la manette, et ce sera fantastique. Alors, nous sommes... Attends. Eva. Ah, je vois son inventaire. On n'a pas d'interaction. Trade. Ah, trade. Swap character. Ah, je peux changer. Je peux prendre le personnage que je veux. Ah, oh, je vais prendre le petit machin chelou. Ou ça, c'est quoi ça? Oh non, ça c'est plus chelou. Je préfère encore. D'accord. On peut changer de personnage. Ça, c'est marrant. On a une map. Ok. J'ai envie de tourner la cam, mais on peut pas. Bon, on a une sorte de 3D un peu isométrique. Un peu perturbante, mais ça va être marrant. Advisor. Je suis pas... Je me fais engueuler. Je suis pas une grenouille qui parle, hein. Sois pas débile. Je suis une statue qui parle. Pardon. Oh, punaise. Ah, je peux prendre une frog. Oh! Je peux lui donner peut-être. What? Place. Ah oui, d'accord, je prends une... D'accord, j'ai place comme je veux. Ah, c'est marrant ça! Non, mais je sais comment pick a frog! Would you putting one of them? Putting out? Faut que je put où? Ah, if you see another glowing statue, je liquide la moitié. Attendez. Si je vois une autre statue, faut que je prenne une tortue et que je la mette dessus. Ah, genre celle-là. Ok, mais d'accord, ok. Le principe est perturbant, on va voir. Je peux add a frog.
Elle parle grâce aux tortues. Pas aux tortues, aux grenouilles. Ah, j'ai une nouvelle recette. Alors attendez, moi je veux savoir comment on craft, parce que c'est ça dans ces jeux-là. Oh, j'ai envie d'enlever ses racines. On va loot, on va loot. Caillou. Long rest. Frag. Ah, petit chargement. Bâton, je vais tout loot. J'espère que le son du fort hein, est assez... Le son du jeu est assez fort, pas le son du fort est assez jeu, ça veut rien dire, mais je pense pas. Je vais mettre un petit peu plus, parce que j'avais beaucoup baissé. Quand on a lancé le jeu, ça nous a un peu éclaté les oreilles. Comme souvent. Ah, c'est X pour looter, à chaque fois je galère. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc qui brille. C'est long grace. Ok. Grâce. Et maintenant que j'ai fait ça, est-ce qu'il faut, faut que je fasse quelque chose? Je vais lui reparler. Ah, faut que j'aille parler à l'autre. Elle va peut-être me demander de faire quelque chose. Oui, oui, voilà, j'avais pas vu. Open the menu. Intellect de crafting menu. Ah, bah voilà. Et je me fais une... Une hache. Ah! Ok, sympa. J'aimerais bien essayer... Je veux loot, mais c'est une autre touche. C'est logique, hein. C'est juste que, bon, j'ai l'habitude des... Comment on appelle ça, des interactions contextuelles où t'as la même touche pour faire 1000 trucs, mais en fonction de là où t'es, de en face de quel objet tu es, ça va faire un truc différent. Ce qui peut être un peu chiant. Bûche de base, ça t'a montré à ces bûches qui étaient de base. Ça va bien, mais écoute, ça va tranquille, ça va tranquille. Et toi? Mince, j'ai pas lu, il me demandait quoi. Ok. On va devoir se trouver ou se faire une bonne arme. Si je comprends bien. Oh! On va pouvoir pêcher! Je veux pêcher. Ouais, on a plein de... On a deux barres de menu, on va dire, rapide. D'inventaire rapide. Ah non, c'est l'inventaire tout court. Mais c'est bien de pouvoir les sélectionner comme on veut. Mais si, Kenny Butter ! Ah, je peux descendre là. Merci beaucoup! 31e mois d'abonnement, c'est vraiment, vraiment tellement beaucoup. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Merci. J'espère que tu vas bien. Et peut-être que tu connais ce jeu, toi qui connais tellement de jeux. Merci beaucoup. Ah non, oui, je peux placer des trucs. On s'en fiche de placer des trucs. Moi, je veux... Ah oui, d'accord. Je peux interagir et faire ça. D'accord. Alors là, je peux placer une... J'en ai une. Je peux en placer une là. Ah, de frog. Retrieving... Je sais pas ce que c'est. Mais on va voir. On va découvrir, on va découvrir. Je prends, en tout cas, je prends ma grenouille, c'est ça qui est important. C'est que je chope ma grenouille. On va regarder dans le menu des trucs si je peux réparer quelque chose. Ah! Leaf blade? Ah oui? Avec des feuilles? Ok. Ok, ok, j'aurais pas... ok. Je vous mets plus des baffes que des coups, quoi. Des baffes avec des feuilles. Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Je connais pas non, je pense qu'il peut m'intéresser. Bah ouais, il a l'air tout mimi. Alors après, il est en early. Et il est sorti au mois d'octobre le 20, si je dis pas de bêtises. Du coup...
C'est un petit slot. Direct. Ah mais attends. Ah mais je peux pas pick it en fait. Est-ce que j'y aille, c'est ça? Clear the haystor. The haystor. C'est quoi un haystor? Ça me fatigue. J'ai aucun vocabulaire. Qu'est-ce que c'est haystor? Haystor. D'accord. C'est pas la bonne traduction. Je pense. Il faut que je me batte contre quelque chose alors. Faut que je me batte contre quelque chose. Je peux me TP? Bah, j'ai une canon. Salut ma cabane! Hello! Ah, mais j'ai un caillou dans la main. Je veux pas, moi, je veux ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Ok. Je vais aller voir où on a spawn. Ah, mais non, mais c'était ici qu'on avait spawn. Voilà, je voulais voir là-bas. Oh, mais il y avait rien en fait. Oh punaise, les traces de pas, elles sont bien faites. Regardez ça. C'est bête, mais c'est je sais pas, c'est... J'aime beaucoup. Oh punaise, non, c'est très... Je sais pas, j'ai tiqué là-dessus, je trouve ça trop mignon. Vous qui sortent aussi en français, mais carrément. Moi qui suis pas très douée, je galère un petit peu, j'avoue. Par contre, il y a... Ah! Ah non, c'est une branche. Je crois qu'il y avait un truc caché volontairement en mode... En mode ça va t'aider. J'ai l'impression qu'il faut que je me batte contre un truc. Mais je sais pas quoi. Mais là-bas, il y a quelque chose. Mais j'avais pas vu qu'il y avait un espace ici. Quelle couillonne. On stuck again. We need something to smash. Ouais. On va se faire un marteau, si ça. Ok. Non, ça va. J'étais pas une tigre, une énorme bille. En anglais, ça irait mieux. Ça va, ça reste fluide en fait. C'est juste moi qui me complique la vie, qui ne voit même pas que je peux passer. Bon, on est encore dans le tuto, donc c'est normal. C'est pas, c'est forcément parce qu'il y a plus de passionnant. Par contre, le jeu, il est vraiment très joli, je trouve. C'est... C'est le type de graphisme qu'on a... Enfin... C'est le type de qualité graphique qu'on a l'habitude pour ce genre de jeu qui sort souvent sur toutes les plateformes et tout, qui est très mignon et tout ça. Mais je trouve qu'au niveau détail et au niveau, voilà, de, surtout des animations, je trouve ça super propre. Et la manière dont la caméra est placée joue un petit peu aussi, mais c'est du coup très cool. Ah! C'est que des grenouilles qui sont dans des statues. So many frogs on the island. So many statues. You're a crocodile different. Ouais, pour ça, j'imagine que ça va être une statue méchante. Statue shot, please help the island. D'accord. Il y a une barre de nuages qui protège cette île. Mais. Enfin, ce shield plutôt, donc un bouclier. Mais le shield il est cassé! Le bouclier il est cassé!
Alors l'île est exposée. Faut réparer les shrines, ça fait penser à ce qu'on doit faire à des sanctuaires en gros, des temples, des trucs. Bref. Comme dans Breath of the Wild un petit peu. C'est justement le type de jeu que j'aime bien aussi. Mais oui, moi j'aime beaucoup ce genre de... Mince, j'ai le tab, excusez-moi. J'aime beaucoup ce genre de petit jeu. Et celui-là, je connaissais vraiment pas du tout. Ah, j'ai re-mal à la tête. Alors, elle veut me parler. Faut que j'en sorte les shrines. D'accord, mais comment? C'est pas des sanctuaires, mais c'est des je ne sais quoi. En français, mais ça me fait penser à Breath of the Wild. Tac. Ok, bon, au moins je sais récolter des cailloux. C'est super. Mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu hors sujet pour le moment. Il y a peut-être un patch en français, mais le jeu est très récent, donc... Donc s'il n'y en a pas un maintenant, ça va arriver. Au pire, un mode, quoi. Ça, c'est très possible. Ouais, tu m'aides pas du tout pour le moment. Guan, come back when you learn things. D'accord, ok. Donc c'est pas tout de suite. Oh punaise! Oh, ça va être stylé ça. Il me reste une grenouille. The Majestic Machin, one of the nature's strongest creature. Ok. Donc ça va être le machin qui est en face, qui est une grosse créature, mais qui est peut-être dangereuse, qu'il faudra peut-être qu'on combatte, je ne sais pas. Ah! Là, il y a une grenouille qui va me parler. Ah, mais c'est ça, le shrine! Ok, il va falloir que je crafte des trucs. Ça va, j'ai ce qu'il faut. Mince, c'était où, là, l'interaction? Ah, c'était comme ça. Où je regarde? Non. Du coup... Mais j'ai ce qu'il faut. Ah, arrange. Voilà. Non, pas du tout. Il faut peut-être ça dans la main. Rock. Einstein, mais non, grâce. J'ai exactement ce qu'il faut. J'ai fait track. Mais il me dit zéro. Alors que j'ai tout. J'ai totalement ce qu'il faut, mais il me dit j'ai zéro sur tout. C'est bizarre un peu. Si je ramasse des trucs maintenant, est-ce que ça va s'accumuler? Genre là, je ramasse du sable. Non, ça compte pas, d'accord. Je vais parler à la grenouille. Je peux faire un château souterrain dans le ciel derrière une cascade. Écoute, déjà on peut marcher dans l'herbe et l'herbe, regardez, elle s'écrase sous votre chemin. C'est génial déjà. Ah voilà, j'avais pas fini de lui parler, c'est ma faute, je m'en doutais. Hein? Faut que je crafte un truc de construction, j'ai cru comprendre. Runestone. Ah! Ça. Attends, je vais... Vite, item. Ah oui, offer stack. J'offre mes stacks. Ok, ok. Non mais à chaque fois que je dis de la moitié, je m'étonne de rien comprendre, putain. Ça m'énerve. Alors que c'est très simple, bien expliqué. Ouais! Oh, il est tout content, mon perso, il est trop rigolo. Alors. Fast travel! Oh, trop cool! Ok, ça c'est toute la map qu'on a déjà vue. Et il y aura toutes ces régions-là. Bon, je suis à la manette, alors c'est lent. Vous pouvez jouer avec les vaisseaux aussi. Hein. Et voilà, là on a l'heure et tout. Oh, trop cool!
Dis-moi. Top tip, tu gagnes téléporte. Oui, oui, j'ai vu ça. Excusez, tu mets sur cette bed. Ah, j'ai appris à en faire. Oh, je peux me faire déjà une petite maison et tout. Oh, c'est trop bien. Ah oui, regardez, il y a des meubles. Mince. Comment je vais? LTRT, homme, je sais jamais. Sleeping mat. Hein? Mat? Material? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux faire un sandcastle. Mais pourquoi le... Attends, je comprends pas. Pourquoi on voit un cochon? Attendez, on va tester, on va essayer de faire des constructions qu'il me propose. Alton, ok. La musique est très mignonne aussi, très cool. Ah, je peux peut-être pas, je peux pas passer, mais je pourrais peut-être passer plus tard. Ah, il me faut ça. Ok, j'ai compris. Vas-y, je cherche même pas à comprendre. Et là, la musique est un peu forte. Parce qu'elle est très aiguë. Alors, rock. Ah, j'ai qu'une seule planche. Je peux peut-être en crafter une vite fait. Ah non, j'ai pas assez de branches. Attends, on va ramasser des branches. Meuf, si je vais là. Ah oui, non, on n'a pas assez. Je vais ramasser des branches. J'ai envie de voir aussi. Ah, je peux pas, c'est trop solide. Faut que j'ai vaincu le machin avec les cornes. Non, je suis interpode. Je suis interpode, je pense. Faut que je parle aussi à la grenouille là-bas. Tu lis pas tout aussi. Ouais, j'avoue. Mais ça, je fais ça même avec mon message. Je lis pas tout, je m'énerve. Et puis après, je dis à la fin, je fais « Ah non, c'est ça que tu voulais dire. » C'est quoi ça? Très intriguant. Je vais juste libérer l'espace et puis après on va parler à au petit gars qui est au milieu. Mais j'ai envie de faire ça d'abord. Du coup, je vais chercher du bois. Je pense qu'il y en avait par là. C'est très joli. Hop, je ramasse une petite grenouille. Oh, je l'ai raté! Oui, parce que j'ai essayé de la taper, pas de la ramasser, je crois. Oh non, mais attendez. Je vais parler au gars du milieu avant. On va y aller étape par étape. Mais il y a plein de trucs à faire, ça donne trop envie. Open the map. Oh, il y a des maisons et tout. Oh, il y a plein de choses à voir. Umbra's Moon Run. Ok. Les autres régions sont toujours coincées dans la pluie. Donc il faut que je fixe des shrines pour restaurer tout ça. Ok. Restore 8 shrines. Ok, ok, ok. Mais je veux du bois. S'il vous plaît. Oh, il y avait un petit passage ici, regardez. Il y a un sanctuaire. Ah, mais il faut monter, il faut escalader une montagne. Y aller avant. Oh, il y a des petits tirs au coin à découvrir et tout ça. Mais je veux ouvrir le passage qu'on a vu tout à l'heure. J'ai une grenouille ou pas? Je crois pas. Non, je l'ai raté tout à l'heure. The rain is finally gone! On va sortir de train. Du shrine. Tu peux m'entendre? Je suis Sariel. C'est trop bien d'avoir quelqu'un qui parlait. Ah, les connaissances druidiques. Voilà. Au jardin. Nanana. Il y a un chest, un coffre. Quelque part ici. Ok. Faut garder des trucs. Fais ton propre jardin. Oh, ça, je veux trop, ouais. Find the chest containing the gardening tools. Oh, d'accord, il y a carrément des outils.
Alors elle a dit here, du coup c'est dans ce petit coin, dans... voilà, par ici. À moins que ce soit écrit sur la map. Je vais lui reparler. Après j'ai vu un endroit où il y avait quelque chose enterré, hein. On voit, voilà, plein de points d'interrogation. J'ai pas vu trop de trucs de symboles de chiste. Ah ok. Ah c'est une fleur, ok. C'est très joli. Je sais pas si... Je peux passer par là? Oui. J'ai pas de pelle, hein. Après je peux pas creuser. Faudrait peut-être que je puisse me crafter une pelle. Pour creuser, là on a vu une croix sur le sol. Je suppose, ça. Faudrait que je mette une frog ici. Et là-haut. Même si j'ai ça en main, ça marche pas. Si ! Ah non, c'est pas assez, j'ai pas assez de force. Enfin, j'ai pas assez de force, en tout cas il manque un truc quoi. À chaque fois ils mettent cette émote-là, je sais pas, ce symbole-là, je sais pas ce qu'il veut dire. À part que c'est pas maintenant. Ah, une grenouille ! Non, j'essaie de la taper encore. Bah, je vais la mettre à la grenouille. Je vais y arriver. Ah non, mais non. Voilà, faut juste que je fasse ça. Baby is the most important creature on Umbra. We have Baby. There would be no natural life in the island. C'est ça, Bibi? Non, c'est un truc en un nom en S, ça. Ariel. C'est qui, Bibi? Ah, mais c'est le Pokémon qu'on voit sur la statue à côté, là. Pokémon de type fée, là. Ok. Bah, sympa, Bibi, mais ça m'aide pas, moi. Il me faut d'autres trucs, là. Il me faut un coffre, il me faut des outils. Il me faut des ressources. Caisse à out. Voilà. Tu m'as déjà dit tout ça exactement, mais c'est pas grave. Faut restaurer un shrine, j'imagine, pour que ça se soit actif. C'est ce que je comprends, sauf que je sais pas lequel il faudrait restaurer. Je suis passé par là tout à l'heure? Non, hein. Je trouvais du bois. Ah, mais d'accord, il lève ça sur sa tête et après il fait une grenouille. Oh, je pourrais trop pêcher, j'ai trop envie de pêcher là. Ah, il va me falloir une grenouille ici. Ah non, même pas. C'est juste qu'il faut... Ah ouais, il faut des planches et des... Et des cordes. Mais ça, je sais pas encore en crafter. Je peux me crafter quoi maintenant? Des nouveaux trucs un peu. Pet rock. Et on voit une fleur dessus. J'en ai marre des... des noms qui ont rien à voir avec l'image. Voici un château de sable. Je comprends pas. Je comprends pas tout. Mais je peux passer là. Oh, trop bien. Ah mais oui, c'est là d'où je viens. Enfin, je reviens à la case départ, mais je vais peut-être pouvoir rabasser des ressources que j'ai pas eues ou faire des interactions que j'ai pas pu faire avant, tout ça, tout ça. Et puis ramasser des grenouilles. Je suis là pour aussi te poster. Bisous Rikiwi, excuse-moi. J'ai plus eu ton message. Ok. Les animations sont très très propres, hein. C'est vraiment très mignon. Ça c'est quoi ça? Oh, un coin.
Ok. On est un peu au tout début là, mais c'est volontaire, c'est pour pouvoir ramasser les trucs que j'ai laissés pour pouvoir voir s'il s'est passé des nouvelles choses. Et puis là, je vais pouvoir casser ce rocher. Trop cru. Bon. Oui, bah oui, je sais que je peux casser des cailloux, mais pas tout à fait, quoi. En fait, ça c'est juste la section des personnages. Du coup, vous restez là, mais tout le temps, quoi. C'est un peu triste, en vrai. Mais pourquoi pas. Peut-être que après tu peux leur faire chacun une maison respective, un peu stylée et tout. Et puis voilà. Et puis peut-être que des fois, t'as besoin d'un personnage en particulier pour faire un truc en particulier. C'est possible. J'ai déjà pick-up 100 items. Bon. Je vais remonter et je vais voir ce que je peux crafter. Là-haut, y a rien. Je suis déjà venu là, mais... Ouais, ça change de musique selon la région. Je pensais que c'était sur, selon l'heure, mais je pense que sur la plage, la musique est toujours comme ça, un petit peu douce. Bon, toutes les musiques sont douces. Dans le jeu, là, clairement. En fait, ça va être un compagnon avec la... un compagnon à longue corne qui va m'aider à casser les trucs qui me manquent. Du coup, c'est trop cool, après je vais être suivi par un pet. Non, ça c'est pas maintenant. Et là, il y a quelque chose. Ah voilà, là il y a ça. Mais je suis sûre qu'il y a le coffre là-dedans. Faut que je sois en train de faire une hache. Il va falloir que je débloque des trucs. Maintenant que j'ai... de quoi crafter des planches, je vais crafter mes planches et je vais passer à l'endroit où j'ai pas pu passer avant. Et ça c'est quoi? Ah ouais d'accord. Ça ça va être la mairie ça. C'est sûr. Enfin quand, à l'Animal Crossing quoi. Le bâtiment important. Ça je peux faire, il me fallait des planches, je peux en faire une. Let's go. Non. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Que ce qu'il me faut pour le moment. Voilà. J'aime l'hiver, plein de trucs. Merci beaucoup pour le prendre ma cabane. J'espère que ça va beaucoup. Le mélange de musique est parfait. Merci beaucoup. J'ai GG qui pique d'un coup. Merci beaucoup! Mais c'est parce qu'il commence à faire frais. C'est très gentil d'avoir lâché ton prime, merci. J'espère que ça va. Hop là. Bon, on va lâcher une grenouille ici. Nac. Oh. Nouvelle recette. Crafting station. Oh, ça c'est cool. Je peux pas faire de planche. Je peux faire une station de craft. Donc ça je peux essayer mais ça sert à rien je pense. Il me faudra mon mate, mon pet là. Et je pense qu'avec la station de crafting, je vais pouvoir me faire autre chose. Oui, bah je veux bien faire une station de crafting, mais pour le moment, il manque des trucs.
J'ai une pousse de quelque chose. I'm afraid you're not the first visitor since the city broke down. Ah oui, d'accord. Il y a des gens qui sont venus ici pour foutre la merde. La musique qui s'adapte et tout. Les pirates. Ah bah oui, c'est les pirates qui nous ont capturés là, machin. They're playing really, really loud music, c'est ce qu'on entend. Sneak? Oh, c'est pas mon truc, maybe you can sneak. Comment on sneak? Ah oui, sneak, c'est genre... Là, il regarde. Là, je peux passer. Oui, d'accord. Ah, c'est trop mignon! J'ai eu un truc. J'ai quelque chose dans mon inventaire, mais je sais pas quoi en faire. The mesh. J'ai le mesh. Ah, lui, il va rester toujours comme ça, je peux pas passer, ok. De toute façon, c'était juste un truc à ouvrir. Alors, c'est quoi ça? D'accord. Alors, je peux me catapulter là-bas, c'est bien. Je peux faire un truc en tout cas. Je sais pas quoi, hein. Ah ouais, trop bien, un fire! J'ai détruit un pirate base! J'ai éclaté. Ok. Ah du coup il est vachement triste le campement maintenant. Oh, est-ce que je peux? Non. Si je mets ça. Ah je l'ai pick up le campfire. Mais je pensais pouvoir l'allumer moi. Mais j'ai peut-être pas encore de quoi. Tu trouves fort, mais t'as vu ça un peu? J'ai hâte de pouvoir poser ma maison. Je peux rien faire avec mes petits bras nuls. Qu'est-ce que c'est? En vrai, je me doutais que c'était méchant. Ah, oh, je fais R. Mais il me faut ça. Mais putain! Alors que je mange un truc moi. Ah, c'était trop dur. J'ai une nouvelle recipe. Ah j'ai plein de nouvelles recettes, vous avez vu, j'ai vaincu des méchants. Bon après comme d'hab hein. Les pirates c'est rien à côté d'une boule de slime. Dans l'échelle des ennemis quoi. Peut pirater en mer ou sur internet. Fait que là... Après les deux vont... Voilà. Si t'as une connexion sur le bateau, tu peux faire les deux. You did it. You open the cage. Ah oui. No, open the cage. Ah, oh, je peux open the cage. Oh.
J'ai hiberné l'animal. Je peux le pète. Ouais. Ah, il me suit. Du coup, si tu me suis, est-ce que je peux faire ça? Ouais. Encore. Encore. Oh, c'est trop... Eh, franchement, c'est trop bien. Je fais un bateau avec la fibre. Se réveiller, mec, hein, maintenant, dans quel bateau il n'y a pas la fibre, quoi. Passe comme ça. Ok, j'ai fait trop de trucs, je suis trop ravie. J'adore ce qui se passe dans l'herbe. Et vous avez vu, j'ai pas dessiné de pénis. Parce que ça, ça veut dire que j'ai mûri. Inventeur! What do you think? T'es un... Ouais, je me dis que c'est extra très long. Je connais ces jeux-là. Ah mais non, c'est parce que je spam, là. Convert item to frog boy coins. Ok. Ouais, mais attends, non mais... Oh! Mais il est foufou, celui-là. Pour le moment, je vais pas faire ça. Parce que... Je sais pas de quoi j'aurais besoin, évidemment. C'est trop tôt. Alors, fallait que je fasse la table de craft. Pour faire la table de craft, il nous fallait des planches. Oh, j'ai fait un hammer, je voulais pas, putain. Je fais deux planches, parce que je pense qu'il m'en fallait au moins deux. Exactement, j'ai Pumba avec moi. C'est des bruits chelous, mon Pumba, quand même. Ah bon, c'est un Pumba, remarque. Tu me diras, c'est des bruits chelous. Ok. C'était qui voulait que je fasse une table de craft? Je sais plus. Il était pas long, je crois. Ah, c'était lui, je crois. Avec lui, je vais pouvoir faire plein de trucs. Voilà. J'ai écouté. Alors, crafter un truc. Par contre, le bruitage de la bestiole, là, il m'insupporte. Je vais lui send home. Voilà. Ah, désolé, là, je pouvais plus. Est-ce que je peux faire des... Mais non, mais ça me sert à quoi? J'ai pas plus de recettes, en fait. Si, ça. Le coffre, je pouvais pas le faire avant. Oh, mais ça, j'ai pas de vêtements. Enfin, à part sur moi, quoi.
sleeping mat. Il faudrait que je fasse. Alors, il me faut quoi? Des leaves. J'en ai pas beaucoup, hein. Root rate, je sais pas ce que c'est. Je vais en faire. Je fais deux touches, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, il me faut un autre. Il faut que je retrouve quand même un facochère parce que j'en ai besoin pour plein de trucs. Mais on va continuer à visiter vite fait. Qui c'est ça? C'est pour moi ça. Là, ça brille. Toi, t'es content? Oui, je vais du coup en prendre un comme copain. Oh, je peux les nourrir? Trop rigolo. Oh, mais mince, j'arrive plus à être pote avec eux. Ah, il y a lui qui est mon pote. Ah non, c'est que je peux appeler mon... Ah d'accord, j'ai un pet et je l'appelle quand je veux. Et du coup, il pète tout. Mais quel foufou. Mais c'est trop cool. Oh, faut du copper et tout, ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Quoique, ça, est-ce que tu peux le faire, ça? Ah, là, il y a du copper. Mais le loot que ça me fait? Par contre, pourquoi tu pètes? Pourquoi il pue? Peut-être qu'il est pas en forme, faut que je lui donne une ça. Regardez ce tout foufou! Ouais, je donnais toutes mes feuilles. Et je crois que j'en avais besoin pour des crafts. Ouais, mais là, je vois des petits Pumbaa qui secouent leur petit derrière. Je suis en mode, vas-y, vas-y, viens, on joue. Je suis forcément émue. C'est normal. Comme tout à chacun. Bon, de toute façon, on a plein de trucs à faire encore. Hein. Et puis maintenant que j'ai mon pet là, le monde s'offre à moi. Avec un thé, oui. Comment va? Oh, j'ai mal de crâne qui revient. Alors, ah oui, il y avait toi. Ok, non, il y a rien à faire. Oh, je suis un peu déçue. Bon, je vais essayer de looter tout ce que je peux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Dix, encore? Bon, je sais toujours pas comment faire une rope. Et du rock spud non plus, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de trouver des feuilles, je vais essayer de me faire un lit. Mais bon. Je vais peut-être aussi Ah oui, ça, vas-y, fais ça. Je sais pas pourquoi il a un aura un peu chelou
J'essaie de nourrir, de lui donner à manger. Je sais pas. Il a l'air trop vénère. Bon, bah toi, tu veux que je trouve ta caisse à outre, mais je la trouve pas. En même temps, tu m'aides pas beaucoup. Un jeu dont j'ai jamais entendu parler. Bah non, tout à fait, moi non plus, j'en avais pas entendu parler avant. Vas-y, machin, attaque ça. Commande, tiens, vas-y. Oh, c'est trop mon pote, lui. Non, mais vous avez vu comment il est trop bien. Mon petit Faco. J'ai le petting encore un petit peu. Ok. Donc cette zone on connaît pas. Du coup bah je vais peut-être trouver plus facilement des ressources. Vu que j'ai un peu tout fouillé je pense dans les autres. Il me faut une grenouille ici. J'en ai je crois deux en stock des grenouilles. Moi j'en ai 7 de quai. Ouais d'accord. Il parle encore de Bibi hein, mais Bibi voilà, c'est quoi, on dirait une sorte de divinité de la nature, je sais pas quoi, bref. Statue under image. Ouais, en fait, ça me donne du lore. Mais moi, je voudrais que ça me débloque des trucs. J'avoue. Salut Gaël. Mon portail. Non, mais qu'est-ce. Oui, non mais Lix, effectivement, il a pété un câble. J'aime beaucoup quand il pète des câbles après. Voilà, c'est la vérité en vrai. Pourtant, c'est réel. Un portail dimensionnel. Là, dans le chat, il s'est ouvert puis s'est refermé aussitôt. Réjean, on n'a pas su quoi faire. Mais j'ai dit, paniquez pas, je m'y connais. J'ai réussi à refermer ça avec un peu d'ail et du gros sel. Voilà, c'est la vérité. J'aime beaucoup comment c'est que tu pètes des câbles comme ça, j'aime beaucoup. Je vais à Dune Frog moi. Tu sais que c'est un item meilleur inventory que quitte ici. Alors. Ah oui, j'ai une petite description, ouais, effectivement. Magical essence. Oh. Moi, j'ai eu ça sur les slimes. Ça, c'est là d'où je viens. Oh, une note. J'ai une nouvelle recette. Ah oui. Attends. Cette touche là. Caco Freddy, mais c'est une... Ouais, crafter des statues pour le moment, je sais. J'en ai pas d'utilité, quoi. Moi, je capte rien de ce que dit X. Ça, c'est normal. De plus en plus rare les jeux dont on a au moins pas entendu parler. Ne pas les avoir fait, ok, mais pas connaître. Oh non, c'est pas de plus en plus rare dans le sens où dans l'indé, t'as tellement de sorties dans tellement de domaines que bon. C'est juste qu'effectivement, quand on est sur Twitch, bon, quand on erre un petit peu sur les réseaux et notamment sur Twitch, c'est vrai qu'il y a plus de chances pour que tu aies ouï dire de jeux même un peu obscurs, mais franchement, dans les indés, je m'étais renseigné un petit peu. Oh, la musique, c'est aigu, c'est très aigu. Sur des cozy games un petit peu, parce qu'à un moment, j'en cherchais. Et en fait, il y avait tellement de noms que je connaissais pas. Le principe, oui. Le principe des jeux, je le connaissais. Celui-là, c'est un petit peu un mix, j'aime bien. Un petit côté quête et tout ça, un petit côté crafting et tout. Je pense qu'on va pouvoir se faire sa maison après et tout, ça va être sympa. Mais après, voilà, si t'es dans les indés, en fait, il y a tellement, tellement de sorties tout le temps que je pense qu'il y a forcément des jeux dont t'entends pas parler qui sortent tous les jours, en vrai. Après, des jeux quali dont on n'entend pas parler, là, je peux comprendre que... un peu différent. Mais celui-là, ouais, c'est... Après, dans les jeux aussi qui sont pas encore traduits, il y en a pas mal, et lui, c'est le cas. Et puis, mais il est sorti il y a une dizaine de jours. Iconi Island, donc un jeu où on arrive sur une île
qui est un petit peu... c'est des statues qui parlent à travers des grenouilles qui nous parlent. Et en gros, la... Ça me beaucoup sur GOG. Ah, c'est vrai que je suis pas trop sur GOG et itch.io. Donc j'avoue. C'est vrai que toi, tu t'en connais bien plus en fait que moi. J'avoue. Bah c'est... En fait, c'est sur le petit site où je fais quelquefois des demandes de clés. Et ben, parfois, selon, je pense, les jeux auxquels on joue, ils nous sélectionnent sans même qu'on demande la clé parce que bah, forcément, on connaît pas les jeux, donc on peut pas demander les clés. Donc pour se faire connaître, les développeurs offrent les clés à des petits streamers ou des petites streameuses ou youtubeurs, youtubeuses, machin, qui pourraient être intéressés. Et c'est le cas de ce petit jeu-là que j'avais jamais entendu parler avant qu'on m'offre la clé, effectivement. On dit qu'elle a aussi, t'as des super jeux. Ah ouais ? Je connais pas, vraiment pas. Bon, j'ai pas lu plein de messages. Pour ta tête dimensionnelle, Lynx, c'est juste sur CV qui a lancé son stream. Et sa cam après 3 jours de maladie. Oui, c'est un peu ça. Et très franchement, très bonne surprise. Quand j'ai vu que j'avais été sélectionnée pour le jeu, je me suis dit, mais effectivement, un petit peu comme ça, je me suis dit, mais je connais pas, et pourtant, c'est complètement le type de jeu que je pourrais aimer. Et du coup, voilà. J'accepta la clé, et me voilà dessus. Je vais pas en faire toute l'après-midi. Déjà parce qu'elle est quasiment terminée, mais surtout, je voulais aussi peut-être aller un petit peu sur Minecraft. Après, j'hésitais. Avant d'aller manger. Mais je pense que... Mince. Attendez, je vois plus bien le chat, ça m'énerve. Hop là. Je pense que je vais le continuer en live, celui-là. Alors. Rock, tiens, je vais lui demander de foncer dedans. Orgone, les bibi Orgone. Les put them in the cage. Ok. Oh non, il s'est coincé. Non, te coince pas. Attends, si je le pète, peut-être que... Oh, il est énervé, qu'est-ce qu'il y a? Non, bon, je vais le renvoyer chez lui, parce qu'il est tout buggy. Voilà, et là maintenant si je le rappelle... Oh, mais c'est trop efficace. Ça marche trop bien. Un petit bug de le mob qui se coince et qui arrive pas à se décoincer, ça franchement, c'est vraiment pas vilain. En ce moment, Déponia... C'est quoi Déponia ? Lost Maze, mais ça me dit quelque chose. Déponia, me dit rien. Ça, je peux pas passer encore, hein. Non. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Ce que j'aimerais, c'est débloquer le craft. Ah bah, il a défoncé en revenant. C'est trop fort. Ou alors, je lui ai redemandé l'ordre. Je sais plus. Je lui ai redonné l'ordre. Non, je crois pas. J'aimerais bien savoir comment faire du coup des cordes, parce qu'on peut construire un bâtiment, le premier vrai bâtiment, et je pense que ça nous permettrait de commencer peut-être à développer un autre petit truc et tout, une petite maison et tout ça. Il me faut des feuilles aussi, est-ce que j'ai des feuilles sur moi? J'en ai 5, c'est pas beaucoup. Je vais bien fouiller l'herbe, attendez. Et regardez les animations au niveau de l'herbe. Vraiment, moi j'aime trop. Les pas et tout ça qui font des traces, c'est bête, mais dans des jeux avec ce type de DA, c'est pas toujours. Et ça rajoute tellement au côté doux et mignon et joli du monde. Les animations font vraiment partie des graphismes presque en fait à force. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est que ça les met en valeur ou pas. Quand les animations sont bien faites, et ben ça joue énormément. Et là, bah voilà, j'aime bien les animations du jeu. J'avais pas vu, je pouvais débloquer ça. Oh putain, est-ce que c'est un robot? Il faut des... Mesh arms. Ah, oh, vas-y, fonce dedans. Ah, j'ai une nouvelle recette. Attends. Par contre, c'est chiant. Même problème que dans Disney Dreamlight. C'est que quand j'ai un truc qui me suit et que je veux ramasser, bah en fait ça lui parle au lieu de ramasser.
Alors, il faut des trucs que j'ai jamais eu. Je vais rebaisser encore un peu la musique. Qui est très jolie, hein, mais elle va tellement dans les aigus, moi j'ai encore... J'ai encore mal au crâne, c'est dur. Je vais voir avec ma table de craft. J'adore comment il la porte. Le perso. On peut choisir son perso au début, on en a le choix entre 4. Et on peut retourner quand on veut échanger de perso. Et le... Du coup, on peut accumuler les inventaires comme ça. Ils attendent bien gentiment sur la plage, les autres. La plage, on est arrivé. Alors, est-ce que j'ai débloqué d'autres trucs? Ma petite table de craft. Rope! Enfin! Ah, il faut ça! Il faut du rope. Rope raid. Parce que c'est métacure. Donc il me faut que j'assemble, ouais, faut que j'assemble le sort de robot là, le mecha, mais j'ai pas de... J'ai pas trouvé en fait les parties de son corps, parce que je pense que c'est ça, il faut que je les trouve. Alors, je pourrais faire des plantations. Statue, ok, bon. C'est un point and click assez fort, genre Monkey Island. Ok, je connais pas du tout. Non, le héros est un peu crétin. Donc c'est bourré d'humour. Ah, cool! J'ai un point and click, un jeu un petit peu... Oui, si, je crois que c'est un point and click, un peu énigme que Trappy m'avait fait découvrir, qu'il m'avait offert. Faudrait que je le fasse bientôt, parce qu'il était bien intrigant et il me donnait très envie. Je reviens là-bas parce que ici il fallait des trucs. Rope. Ah bah j'en avais pas besoin d'autant. Ok, il faut quoi d'autre? Leaves. Bah ça j'en ai pas beaucoup, mais je vais déjà mettre celle que j'ai pour pas... Ah si, j'en ai quand même un petit peu. Oh, je peux offrir le stack, j'avoue, je fais un par un, je sais pas pourquoi. Oxbud. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais retourner près du mecha et voir si en cassant des trucs autour, je trouve des choses. Les poneys, il y a Matt Groening qui a participé au développement du jeu. Oh! D'accord! Ça peut être sympa, même si bon, Matt Groening, hein, c'est... Et voilà, c'est, ça fait un petit moment qu'il y a... C'est gentillet ce qu'il fait, mais... Parce que Désenchanté, c'était sympa, mais sans plus quand même. Hein. Malgré tout ce que ça pouvait être de prometteur. Mais bon, il y a peut-être qu'en jeu, ça peut être cool au niveau de l'écriture et tout, si... S'il est inspiré, ça peut être sympa. Je sais plus où je vais. Le mecha. J'étais plus sûre d'être allée ici, alors du coup, je voulais y retourner. Ah, mais attends, je viens de trouver une corde telle quelle sur le sol? Non, j'ai peut-être dû me tromper. Ok, c'est ça. Ah, oh, c'est un slime, il va me taper! Attaque, attaque, mon machin! Tu me trompes de touche. J'avais peur de... Non, de taper ma bébête sans faire exprès, mais ça va. Je veux pas taper ma bébête. Et quel jeu d'éponia? Je connais pas du tout, c'est fou. Après, les point and click, c'est vrai que je les connais très mal. Je connais très mal ce type de jeu. Et pourtant... Pourtant, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je vais pas avoir le réflexe de me renseigner sur les sorties de ce type-là parce que ça va pas être généralement des... Ça va rarement être des jeux auxquels... Mais que des jeux... Au... C'est pas auxquels. Des jeux dont on entend beaucoup parler. Ça va être en général public un peu plus de niche.
Il me faut du matos, mais que je connais pas. C'est un peu le souci. Je vais... faudrait que je détruise souvent les trucs comme ça pour voir s'il y a des nouvelles roches qui lootent. Là, par exemple, c'est quoi que j'ai eu? Ok. La pierre polie. Il veut me parler, lui, mais il veut que je vende des trucs et... Et pour le moment, j'ai besoin de trop de trucs, là. Je crois que j'ai chopé une feuille, par contre. Oui! Ça, c'est fait. Bon, faut que je trouve Oxpud. La gauche tasse! Tu l'as peut-être en plus... Ah, d'accord. Alors, question par contre, est-ce qu'il est genre ultra pixelisé? Parce que ça a souvent tendance à me rebuter un petit peu ce style-là. C'est peut-être pour ça que je me suis pas intéressée plus que ça. Les DA qui sont soit en full noir et blanc où ça me donne mal au crâne, soit très pixelisé ou... Où... Voilà, j'essaie parfois de m'y intéresser, mais je suis quand même souvent rebutée. Enfin, en pixel art quoi, quand je dis pixelisé, c'est très très mauvais terme, c'est en pixel art plutôt. Pixel art très brut. Et encore, je dis ça, je joue en Vampire Survivors, donc ça prouve que je peux quand même passer outre. Mais ça me dérange pas beaucoup sur un jeu où il n'y a pas spécialement grand chose à voir. Ce qui est exactement le cas de Vampire Survivors. Alors que dans un jeu où je sais pas, tu vas voir un petit peu comme dans Terraria, un plein de monstres, des décors différents, des grottes, des éclairages et tout, être en pixel art de loin. Je trouve ça très frustrant parce que je me dis punaise. Punaise, t'as envie d'être dedans dans le jeu et qu'il soit joli pour voir à quel point ça fait trop stylé tous ces décors. J'ai oublié mon mecha où il est en fait, ça m'énerve. Non du tout, plutôt une BD. Ah ok. Non bah ça pourrait me plaire alors clairement. J'ai oublié où est le mecha en fait. Je suis partie mécaniquement, je savais exactement par où partir mais je me rappelle plus. Il était quelque part en bas il me semble, mais je dis peut-être des bêtises. Non, il était pas là. Même si j'en vérifie. Il n'y a pas de passage d'ailleurs par là. Vu que j'en ai découvert des passages un peu cachés. C'est indiqué sur la map. Le mecha. Bah, pas forcément. C'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément indiqué, enfin c'est même pas trop indiqué la map, elle est très limitée quand même. Est-ce que je voulais essayer de taper tout autour de lui, pour voir s'il se passait des trucs autour du mecha? Faut que j'en masse des trucs quand même. Allez! Ah c'est qu'il veut caresser ma bestiole. Bah là c'est un passage? Non. Je dirais pas. C'est pas par là mais je sais plus ce qui me coinçait ici alors je vais retourner pour voir si ça c'est... Ah oui. Il faut plein de ressources ici. Bah rope ça va et des planches... Ah mais non mais j'ai peut-être ce qu'il faut en fait. Alors... Rope, elles sont où? Là. Et planches, j'aurais pas du tout assez par contre. Il va me falloir un peu du bois. Hein. Voilà, j'offre déjà la planche comme ça. Il en restera plus que 5. Je trouve du bois dans ce coin. Et je pense que ça répond petit à petit. Ouais mais moi Sam, de toute façon les jeux gratuits en vrai sur Epic Game Store, je les ajoute. Et c'est pas rare que j'ai des bonnes surprises après quand... j'entends parler d'une licence un petit peu et tout. Bah je check toujours ma bibliothèque Epic en me disant tiens, est-ce que je l'aurais pas déjà prise gratuitement? Et
Et j'ai eu plusieurs bonnes surprises comme ça. Du coup, effectivement, j'essaie d'y penser. Y'a rien ici? Non. Peut-être qu'on pourra passer plus tard. Oui, bah ta caisse à outils, moi je la veux bien. Enfin, c'est pas une caisse à outils, c'est un... C'est un coffre dans lequel il y a des outils. Elle dit qu'il est quelque part dans le coin, j'ai une idée, mais je pense qu'il me faut une pelle pour ça et pareil, je sais toujours pas comment faire. Je crois que j'ai pas une nouvelle pierre depuis tout à l'heure où je casse des trucs comme ça, donc je pense que ça doit être dans d'autres types de... Dans d'autres types de roches. Faut que j'arrête d'essayer d'aller là-bas. Bon, ici ça va pas, j'ai déjà visité le coin 1000 fois et je retrouve pas mon chemin. Attendez, ça je peux ça? Ce truc là, est-ce que je peux le... Attends, viens par là, si tu me gênes un peu. Et ça non plus. Ok. Des fois j'essaie d'envoyer ma bestiole sur des sortes de roches et tout, mais j'ai pas l'impression que je puisse. Bon, on a marre de tourner en rond, je vais me TP. Parce que bah, de toute façon il me faut juste du bœuf. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, juste un caillou. Il me faut juste du bois, alors je vais essayer d'en trouver un peu partout. Pour ouvrir l'accès. Là, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Elle est où ma bébête? Il s'est pas téléporté avec moi? Pas grave. Mais je peux pas l'envoyer, ça veut pas. Faut que je m'éloigne, je crois. Ah voilà. Je suis très affalée, je me rends compte. Désolée. Le réflexe de pas avoir stream pendant d'avoir stream sans cam pendant un petit moment. Je prends mes aises. Alors ok, j'ai plein de trucs, c'est cool, mais c'est pas des nouvelles compos. Mais attendez, il y a un passage là-bas. Non? Oh, j'ai trop cru. Je commençais à être ravie. Dommage. Bon, il y a du bois, c'est cool. Mais bon. Je trouve pas de nouvelles ressources. Je suis à combien de bois? 7. Je peux faire qu'une seule planche encore. Il m'en faut 5. Mais là aussi, je peux ouvrir ce passage, punaise. Je sais pas lequel choisir. Ouais, il y a de la cut rock ici, j'en ai. Du coup, je vais mettre ça déjà. Encore de rope. Je peux en faire un peu. Et du copper. J'en ai du copper. Ah, peut-être, attendez. C'est peut-être plus simple. Non, il faut beaucoup trop de planches. Oh, merci. Ils ont fait ça sans que je demande. Trop sympa, les bros. C'est une grotte, ça? Ouais! J'ai pas compris. J'ai pas tout compris.
je pense que vaut mieux que je reste à l'extérieur de la grotte. On va laisser son intimité des facochères en paix. Dans, paix dans toutes les orthographes, dans toutes les manières de l'écrire possible. Bon. Bah ça va être compliqué pour le bois parce que j'ai même pas d'arbre à couper. Alors bon, j'ai pas très envie parce que c'est tellement joli le décor, j'ai pas envie de le casser. Hein. Mais c'est que s'il me faut du bois... Il va falloir que je fasse quelque chose, mais de toute façon ça a l'air d'être ça le truc. Faut looter au sol. Ce que je veux bien faire, mais c'est léger quoi. Très léger. Je vais retourner vite fait sur la plage, si je me rappelle du chemin. C'est ça la première difficulté. Oh ! Quel outil ici ? Je sais pas du tout si je suis dans la bonne direction. Ah si, c'est par là. Si, je me rappelle. Mais il a pas beaucoup de vie mon pet, j'ai l'impression. Ah c'est parce qu'il veut dormir, il est pas content. Ah faut que je l'envoie se reposer. Putain c'est, je comprends comment ça marche la vie. Ah bah c'est ce pont là que je veux réparer, ouais. Bah ça me fera un raccourci cela dit. Mais c'est pas un truc qui me débloquera quoi que ce soit quoi. Si ça me débloquera peut-être une... Oh! La bro. Ah, il veut pas. Je te renvoie. Voilà, je pense qu'il faut que ça barre en bas. J'ai compris ça tard, hein, très très tard. Que ça barre en bas se régène et du coup, c'est bon, il sera content et il aura plus cette aura de prout autour de lui. J'ai compris. Salut Squamifère! Ah bah si! Je vais peut-être le rappeler en fait. Non, c'est pas ces roches-là. Ces roches-là, il peut rien y faire. J'ai mis sur Discord des liens d'aide au cas où. Je suis tombée, c'est pas des jeux indés d'horreur. J'avais déjà posté dans House of Number. J'ai fait un anglais, je m'en fous. Ils sont là les persos que je peux choisir. Ils sont pas là les persos que je peux choisir. Ils étaient là. Ah non, ils sont là-bas. Non plus. C'est sur ces raclettes. Mais normalement pour nous aussi. J'ai pas ultra envie quoi. Voilà. Je vais rappeler. Juste pour ça, s'il te plaît. Et après, je te promets, je t'embête plus. C'est pas grave, il veut plus. C'est pas grave. Bon. J'ai un peu des compos, mais c'est léger. Par contre, les traces dans le sable sont toujours aussi satisfaisantes. Super, franchement j'aime beaucoup, je suis assez ébahi. Voilà, ils sont là les persos qu'on peut choisir. Je vais pas aller par là. Alors, j'ai combien de bois? Ah, 14. Ah, ça commence à aller, attendez.
J'en ai 3. Il m'en faut 4 ou 5. Ça va peut-être le faire. On va essayer de crafter ça pour faire ce qu'on... Enfin, le truc qu'on veut faire. Et puis... Et puis au moins, on aura accompli un petit truc. On est toujours à la recherche de bois. Quelle est la partie de la map que j'ai pas trop explorée? Mais j'ai accès qu'à ces 3 endroits là. 4. 4 endroits là. C'est quoi là-bas là, le point d'interrogation? Attendez, on va y aller. Ouais, je m'éloigne. Comme ça, ça nous fera looter en même temps si c'est des zones où je suis pas trop allée. L'inventaire est grand. Hein. Alors. Ça, je peux faire avec ma truc? Non, je crois pas. Et lui, je pense qu'il voudra pas tant qu'il se sera pas reposé. Donc on est bloqué pour moi. Oh, du bois. Des grenouilles aussi, mais ça c'est un autre type de besoin. Je vais aller près de l'arbre. Que les ressources brillent pas forcément de loin. En tout cas pas de manière forcément très voyante, ce qui est logique, ce qui est bien. C'est discret, ça suffit. Mais du coup forcément c'est facile d'en oublier ou d'en rater. Oh punaise, je peux passer tout là. Je suis trop cool. J'adore quand il y a des petits passages dérobés comme ça. C'est du bois. Aussi. Non, c'était pas du bois, c'était des touffes. Ok, alors j'ai quand même quelques planches. On manque 2. Je peux en crafter une. Allez, vas-y, on y est presque. Petit bout de bois. Plus que 2 bouts de bois et on peut enfin faire ce pont. Un truc là? Non. J'ai fait un bout de bois. Ah, je vais tomber. Même si je pense pas que ce soit possible. Là-bas, il y a un passage aussi. Je peux pas y aller plus loin pour le moment. Je peux pas explorer. Où est-ce que... Bon, le jeu est assez logique, donc j'ai l'impression que dans les passages boisés, tu as des bouts de bois au sol. Là où t'auras plutôt des herbes séchées si c'est pas trop boisé, quoi. Ce qui paraît très logique. Mais du coup... Bah, vu que les arbres, ils sont pas sur la map même... Oh là, il y a du bois là, non? Il faut 2 bouts de bois! Merde! Je vais aller un peu sur les bords de map. Je suis sûr qu'il peut y avoir des trucs mais qu'on ne voit pas parce que bah... Le point de vue fait que... Non, tout ça c'est que des fleurs ou des herbes... Oh, bout de bois. Plus que 1. Je passe dans des endroits, je sais pas si je suis censée passer. J'ai très peur de me bugger en fait. J'ai très peur de me softlock dans un truc parce que bah... Oui d'accord, ils ont laissé un passage là mais on n'est pas censé y aller. Parce qu'en fait il n'y a pas tant de... trop de murs invisibles. Ce qui fait que s'il y a un endroit où il n'y a pas quelque chose qui va te barrer la route, genre un caillou... Des herbes, des trucs comme ça, mais qu'il y a un cul-de-sac derrière, bah même si c'est un tout petit passage, tu vas peut-être pouvoir y aller parce qu'ils ont
voilà, ils ont pas mis le mur invisible, quoi. Mais du coup, ça veut pas forcément dire que t'es censé y aller. Parce que souvent, c'est un peu caché et tout. Je sais pas. Allez, juste un bout de bois. Ça dégoûte, là, c'est trop long. Je vais me TP. Dans la zone de TP, il y a des bouts de bois. Vous voyez ? Mais c'est parce que je loot trop aussi, mais j'en ai besoin de trop de bois. Ça t'écoute. Attends, pis sinon on trouvera la prochaine fois. Non, c'est pas un bout de bois. Ok. Et la planche, c'était où? C'est là-bas, je crois. Non, c'était là. J'étais dans la bonne direction. Il suffisait juste de rebrousser chemin. Allez! Et à quoi milieu? Mère Charms, qu'est-ce que c'est? Ah mais oui! C'est pour le robot! Ok, on a une partie de ce dont il a besoin. Ok, trop bien! Oui, j'ai des... Bon, j'ai beaucoup de trucs dans les bras. Incroyable! On va pouvoir avoir le robot. Mais pour le moment, j'ai sauvegardé quitté. C'était la petite découverte de Ikoni Island. Qui est un petit jeu très mignon, très cool. C'est très agréable à parcourir. Et j'ai hâte qu'il y ait une petite trad FR, ce serait très cool. Et puis bah sinon, il est sur Steam si vous avez envie de le découvrir. En tout cas, je pense y rejouer. Des bisous à la VOD!